Allez, bah c'est parti, hein. Salut! Salut, c'est Guérilla Poubelle, on est hyper content d'être là. Merci beaucoup de nous regarder en train de faire ça, c'est de la balle. Yeah.
chanson à l'état. J'ai appris à encaisser. On s'appelle Guérilla Poubelle. On vient de nulle part. Merci beaucoup. Hey, merci. J'avais froid, j'ai plus froid. Merci beaucoup. Hey, ça fait hyper plaisir à fond d'être ici ce soir. Vous avez vu cette putain de nouvelle halle qu'ils ont construite à Seigny? J'ai envie de dire. Ah là là! Ah là ah là! Ah là là! Ah ouais, non, merde! Fichier S direct! Non, sans déconner, moi dans la ville où j'habite à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, si on a le budget pour faire un truc comme ça dans ma ville, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent 2 voitures pour la police municipale et 3 tasers! C'est parce qu'ils sont tous de droite. La prochaine chanson parle de violence policière, justement. La prochaine chanson, ça parle de violence policière, ça parle de répression abusée, ça parle de la commune de Paris, ça parle des gilets jaunes. Ça parle de Steve à Nantes. Ça s'appelle la bataille de Paris.
Thank you.
disquaire de mon enfance. Les rues, le shop de hipster. Tous mes potes sont partis en vacances. Je sais plus trop quoi foutre à cette heure. Toi et moi seuls contre cette ville. J'ai l'impression de l'entendre pleurer. Toi et moi seuls contre cette ville. Choisis ma famille, j'ai laissé les abcès en compote. Tous mes frères sont partis en exil. Toi et moi seul contre cette ville. J'ai l'impression de l'entendre pleurer. Toi et moi seul contre cette ville. Chapeau de paille et un seau de tabac. Non mais... Genre au cas où j'ai toujours peur de manquer un petit peu, donc je me balade toujours avec mon seau de 1 kg de tabac. Chapeau de paille, lunettes de soleil alors qu'il fait nuit, et alors seau de tabac. Et ouais, j'ai l'impression d'être à Palavas quoi, tu vois. On est au pas de la case. Ah ouais, j'aime ton style. Lunettes sur le nez, mais un peu bas quand même, parce que le soleil là, c'est aussi bon. Il l'a acheté au Luxembourg son tabac, il l'a pas du tout acheté en Espagne. Ouais, c'est vrai, c'est marqué dans une langue bizarre. Voilà, bah c'est bien. Alors ça nous fait vraiment hyper plaisir d'être là ce soir, on adore les concerts gratuits. Du coup, il y a tous les pauvres qui peuvent venir. C'est pour ça que t'es là, Anto. C'est pour ça que je suis venu, hein. Sinon si c'est payant, moi je viens pas, j'ai pas les moyens. Ouais, et surtout, c'est le genre de soirée qui est hyper familiale, où les gens viennent avec les gamins et tout ça, et les gamines. Ça fait trop plaisir de voir les petits frères, les petites sœurs. Si jamais, par contre, vraiment, pour les oreilles, nous on s'en fout, on est foutus, nos oreilles sont foutues, mais vraiment pour les petiots et les petiotes qui sont là, faites attention aux oreilles. À la buvette, ils ont des petits casques spéciaux pour les enfants, c'est vrai. S'il y a besoin, n'hésitez surtout pas, c'est hyper important. S'il y a 40 balais, tu veux pouvoir être encore capable de faire ça, il faut se protéger dès le plus jeune âge. Faites gaffe, merci beaucoup. Et oui, parce qu'on ne vend pas de paire d'oreilles au merch, hein. Ça c'est, voilà, c'est introuvable. Donc, c'est un peu plus cher. Ouais, bah même si tu mets une alerte sur le bon coin, c'est pas dit que ça tombe un jour. Je veux bien revendre les miennes, hein, moi. Ah, mais elles valent rien, les tiennes, elles sont flinguées. Une petite fréquence dans les aigus en permanent, si tu veux. Je te la refourgue sur le bon coin. Alors, depuis tout à l'heure, il y a plein de camarades qui viennent demander des super vieilles chansons. Je suis désolé. On a des nouvelles chansons! Et on était un petit peu dégoûtés parce qu'on a sorti un nouvel album la veille du confinement et on avait plein de chansons sur Macron. Enfin, sûr. Et vraiment, j'avais peur qu'il repasse pas quand même parce qu'on n'aurait pas rentabilisé nos chansons pour se foutre de sa gueule. Dieu merci, Inch'Allah, Macron est repassé. On peut jouer cette chanson qui parle de... Lui.
de cette vieille merde. J'ai cru qu'il m'avait posé une bière, en fait il a juste versé de l'eau sur mon pied. C'est comme un chien qui te pisse dessus alors que t'es posé. Putain, on dirait Emmanuel Macron qui chie sur le code du travail, quoi. Ça s'appelle L'Aigle et la Foudre, ça parle des 5 prochaines années de mépris de classe qu'on va se prendre dans la gueule. Et ça fait comme ça, si je fais la bonne vitesse, c'est bien. Thank you.
coup, t'es arrivé devant pour chanter, t'avais encore ton sandwich dans la main. Ah, vite, faut que je finisse mon sandwich avant la fin de la... Je m'emmerde. Hey!
Merci. Ah, quelqu'un a perdu une chaussure. Ça, normalement, c'est le genre de truc, tu t'en rends compte assez vite. J'ai quand même vérifié si c'était pas moi. Hein. Je suis tellement content d'être là, j'aurais pu perdre une chaussure sans m'en rendre compte. Ouais, ouais, ça, tu sais. Quand ça m'arrive, personne s'en rend compte, parce que de toute façon, je chante. Toi aussi, merci. Il nous reste trois chansons, merci beaucoup de nous regarder en train de faire ça, c'était trop plaisir. Hey, t'inquiète, on n'a pas joué depuis 2 ans, mais il y a des trucs, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Alors pas les chansons du groupe, non, les trucs de merde comme ça. J'ai pas de sauce. Pour la mayonnaise et le ketchup, c'est là-bas. Trop bas. Ok, on vous fait une dernière nouvelle chanson. Ah, désolé, on a des nouvelles chansons, on a envie de traîner avec tout le temps, hein. Désolé. C'est comme quand t'as un nouveau copain, une nouvelle copine, t'as envie de traîner avec cette personne tous les soirs. Nous, c'est pareil avec nos nouvelles chansons. On les a rencontrées il y a 2 ans et on n'a jamais pu traîner avec, c'était l'enfer. Je voudrais pas casser ton enchaînement, mais c'est pas mon père qui skye les miches tout seul là-bas, là. Si, hein. Voilà, c'est ça. Paul, tu lèves la main si c'est toi? Eh oui, c'est toi. Paul, il dit qu'on joue trop fort. Paul, si, mets-toi à côté du barbecue pour te réchauffer si t'as froid. Par contre, tu vas puer la saucisse, mais c'est pas grave. Surveille qu'il reste un peu de stock pour manger quand on a fini. Ouais, j'ai déjà vu qu'il y avait plus de frites, donc bon. Ça s'est passé à 1 centimètre de ma bière, tes chaussures. Allez, ça s'appelle Apocalypse 6-12, ça parle de la fin du monde. Désolé pour ceux qui ont fait des enfants. Sortez les tambours. Appelez la soirée. Let's go.
J'espère que vous êtes encore chaud pour le dernier groupe.